Bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de redécouvrir des moments qui nous ont marqués avec ces femmes qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences de vie. Nous allons démarrer notre émission avec une femme qui, par son expérience, va nous montrer que la main de Dieu n'est jamais trop courte pour venir nous récupérer dans des épreuves marquantes de nos vies. Nous allons écouter tout de suite Josiane Légel. Alors, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Parce qu'avant, tu vois, ça faisait des ordres. Maintenant, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu que je reçois aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et il m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Et ça, on a dit depuis plus de 30 ans, tu l'expérimentes. Oui, plus de 30 ans, je l'expérimente et je fais des expériences avec lui. Et je sais que mon Dieu est là avec moi et tous les jours, je le ressens. Alors, tu peux dire « Monsieur mon Dieu ». Bah, j'ai dit « Mon papa ». Ah, c'est plus que ça. C'est plus que le monsieur. Ah. Il n'est plus le monsieur, il est mon papa, il est aujourd'hui, c'est… Il est tout. C'est tout. C'est mon tout, c'est ma vie. C'est tout pour moi. Je voudrais qu'on parle aussi de Georges Aimé. C'est vrai que c'est lui qui t'a fait connaître, hein, qui a été cet instrument de Dieu pour te faire connaître Dieu. Oui. Et c'est une belle expérience parce que si pendant toute cette enfance, tu as été seule, éloignée, tu voulais justement avoir un foyer, un compagnon auprès de toi, et c'est un beau cadeau de Dieu. Oh là là, je ne pouvais pas recevoir le plus beau cadeau. Parce que Dieu m'a enlevé là où j'étais, aussi malheureuse que j'étais, pour me donner ce bonheur. Et depuis que je l'ai connu, je vais peut-être le dire, c'est comme si on venait de se connaître. On est amoureux chaque jour de plus en plus. Tellement c'est mon gâté, tellement je l'appelle, tu es trop gâté parce que mon mari, il est... C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Dieu m'a donné un cadeau formidable. Et maintenant, Adeline Marie-Louise Jean-Marie Marilus nous a raconté sa prise de position à l'âge de 15 ans. Elle a choisi Dieu et ne s'est jamais détournée. Elle dure dans le temps quand on s'est carrément donné à Christ à 300-400%. Pourquoi? Je m'explique. Moi, dans mon expérience, ça n'a pas été une expérience banale. Pendant toute une vie, ayant cet handicap, on a tendance à se dévaloriser. Et quand on connaît Jésus, on connaît la valeur que Christ a placée dans notre vie. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et à partir de cela, rappelle-toi que je t'ai dit que j'ai mis Dieu à l'épreuve, mais lui aussi m'a mis à l'épreuve. Parce que moi, je lui ai dit, Seigneur, si tu me permets d'entendre à nouveau dans cette oreille ce qu'il a fait, je te consacrerai ma vie. Moi, dans ma famille, tu me demandais quelles sont les valeurs, j'en ai plein. Mais l'une d'entre elles, c'est aussi, ma mère nous a appris à être loyal. Quand on a donné sa parole, on la respecte. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et c'était exactement cela. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner ma vie, je vais témoigner aux jeunes ce que tu as fait pour moi, je vais m'engager. Et tout de suite après, je suis entrée en classe de chef guide. Donc, j'ai été chef guide. Et de là, en classe de chef guide, en plus des études bibliques, on apprend qui est Jésus. On découvre qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et on sait que nous sommes des disciples de Christ. Voilà. Adeline, comment à 15 ans, on ferme son oreille, on fait taire son cœur aux appels du monde? Il y a des petits moments de plaisir, on est jeune, on regarde autour de soi, on voit comment les autres vivent. Comment, justement, préserver son cœur et pas se fermer aux appels, mais se protéger aux appels du monde à cet âge qui ne manque pas quand même de venir nous titiller? Comment fermer son cœur à l'appel du monde? Déjà, il faut savoir qui nous sommes. Moi, je l'ai appris. Qui je suis par rapport à Dieu. Et j'ai appris à découvrir, c'est vraiment ça, hein? J'ai appris à découvrir qui est Dieu pour moi. Et c'est ce qui m'a rassurée. Quand Dieu te dit qu'il est avec toi, qu'il t'a appelé, qu'il est ton appui, et je voyais mes amis autour de moi.
Je voyais également le fait qu'il s'amusait. Oui, il s'amusait, sans problème. C'est pas que j'avais peur de m'amuser, ni qu'on m'empêchait de m'amuser. C'est un choix. J'ai choisi de donner mon cœur à Jésus. Nous allons continuer avec Graciani Valré Pierre-Nicolas qui nous a raconté son expérience et son enfance dans une famille de missionnaires. Et ça, personne ne peut, je crois, la faire pour nous. Tout à fait. Étant donné que je suis une enfant de pasteur, je suis née adventiste, et donc il fallait que je rencontre le Seigneur pour moi-même. Oui. Oui. Donc j'ai été baptisée à l'âge de 12 ans, toujours en Haïti. Mais en fait, cette rencontre, je l'ai faite en 2006. Un jour, j'étais triste et j'ai ouvert la Bible et j'ai lu ce que Jésus demandait, qu'il fallait qu'on l'aime de tout notre cœur, notre force, notre pensée et notre force. Et j'ai dit à Dieu tout simplement, tu me demandes quelque chose qui est très difficile parce que je ne te connais pas. Ah, et c'est quelque chose parce que je suis née adventiste, je suis baptisée et je dis à Dieu, je ne te connais pas. Et je lui ai dit, si tu veux que je t'aime à ce tout niveau d'exigence, il va falloir que ce soit toi-même qui mettes cet amour dans mon cœur. Mm-hmm. Et je le lui ai dit. Ce soir-là, je téléchargeais de la musique pour écouter. Et je téléchargeais de la musique de gospel. Et le lendemain, quand je suis allée pour regarder ce que j'ai eu comme téléchargement, je suis tombée sur un morceau en anglais, « He's been faithful », il a été fidèle. Et quand j'ai écouté, c'est de Brooklyn Tabernacle Choir, quand j'ai écouté les paroles de ce chant, mon Dieu, ça a touché. Oui, il m'a dit que j'ai toujours été fidèle. Oui, parce qu'en fait, je lui disais, mais est-ce que tu m'aimes? En fait, j'ai vraiment eu un dialogue sur le sujet, sur le thème de l'amour avec Dieu. Et c'est ce chant-là que j'ai eu. Et je lui ai dit en retour, si tu veux que je t'aime comme tu l'exiges, il va falloir que ce soit toi qui me mette cet amour dans le cœur. Oui. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que les mois et les années qui ont suivi ont été remplis d'épreuves. Et je n'ai rien compris. Et un jour, je murmurais dans mon cœur. Je dis au Seigneur, mais ma vie n'est faite que d'épreuves. Je ne comprends pas. Et ce matin-là, je me suis réveillée avec une pensée, mais qui était claire dans ma tête. Je choisis l'épreuve, je fixe les limites et je suis toujours vainqueur. Et pour terminer, Myriam Dufond nous a raconté comment le don de la couture a fait partie de leur vie de famille. Donc c'était vraiment une enfance bénie. Lorsqu'on allait à l'église, on nous aimait, les enfants, les moniteurs nous aimaient. On se sentait entourés, on se sentait aimés. Oui. Ouais. Et je dis merci Seigneur. Pour voilà. Ça. Et on attendait ce jour. Hein. Ah. On attendait ce jour. Alors, je sais que tu es aussi couturière. Maman aussi était couturière. Oui, ma maman était couturière. Et la différence, c'est que maman était couturière, mais elle nous défendait de venir près d'elle. Ah. Elle nous empêchait, on ne devait ni toucher aux aiguilles, à quoi que ce soit. Donc, comme c'était, on respectait cela, je me mettais au loin et j'observais ce qu'elle faisait. J'observais ce qu'elle faisait. Donc, une fois, j'ai pris une robe, j'ai décousu, j'ai fait des parties et je suis partie de là. Finalement, je regardais comment elle faisait, je faisais des petites robe de poupée que je vendais pour mes copines à l'école. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et je pense que c'est un don inné et au fur et à mesure je me suis perfectionnée et puis voilà, j'ai pu plaire aux femmes et puis habiller les femmes et puis plaire à Dieu aussi parce que quand Dieu te donne une capacité, c'est pas pour toi, c'est pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir en bénéficier. Donc voilà. Oh, très bien. Donc alors, tu es la seule à avoir développé ce don-là ou on va dire que... Non, j'ai une petite sœur à moi qui aimait me voir en coudre et elle a pris ce don et elle est aussi couturière. Voilà. Donc, et puis je l'ai fait de mère en fille, ma fille,
a aussi cette soutane. Voilà, c'est ça. Mais l'élève a dépassé le maître. Et c'est bien ce que je dis pour montrer vraiment l'instruction religieuse, développer des dons artistiques et tout ça. Quand on le transmet, ce sont des choses qui vont de génération, on va dire, en génération. Et je sais que tu y es attachée. Hein. Oui, tout à fait. On a reçu, on l'a donné aux enfants, puis aux petits-enfants. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'on a de vraies valeurs. Pour avancer dans la vie, il faut avoir de vraies valeurs. Mm-hmm. Et je crois que mes parents m'ont donné ce qu'ils avaient, mais c'était de vraies valeurs. Mm-hmm. En plus, qui étaient confortées par les valeurs spirituelles. Mm-hmm. Donc, mon but, c'est de pouvoir transmettre cela. Mm-hmm. Et j'ai pris une bonne partie de ma vie à instruire mes enfants, parce que pour moi, c'était le plus important. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, je le transmets à mes petits-enfants, et c'est un plaisir pour moi de le faire. Ok, d'accord. Voilà. Alors, toi, à quel moment tu as fait ton alliance avec Dieu? Ça s'est passé au baptême ou encore après le baptême, il y a eu d'autres événements qui ont fait que ta foi s'est développée? Comment ça se passe pour toi? Alors, je t'ai dit, premièrement, c'était par rapport au fait, quand j'ai eu ma première fille, j'en ai quatre maintenant, ma première fille, j'ai compris que j'avais besoin d'un soutien. Et que ce soutien n'était ni mes parents, ni mon mari, que c'était quelqu'un qui était au-dessus de tout, que je pouvais ouvrir mon cœur. Et j'ai eu cette intimité, je ne parle pas de relation, j'ai eu cette intimité avec Dieu. Donc, c'était mon confident, c'était ma force. Et j'ai fait des expériences avec Dieu, des expériences extraordinaires, où Dieu est Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, vivre sans Dieu, c'est... On n'a rien compris. Mais tu n'imagines pas ça. Non, vivre sans Dieu, tu n'as rien compris. Parce que c'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui te dirige, c'est Dieu qui... Il est là et tu le ressens. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux parcours de vie dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur.